Bon, alors pour le branchement du thermostat d'ambiance sur la mégalisse condense, on vient ouvrir le panneau qui est ici. J'ai trois vis ici. On vient enlever ça. Au préalable, on fait bien attention de couper le courant sur la chaudière. Et ici, vous avez votre alimentation électrique, la phase, le neutre. Et sur le bornier, au niveau des indications LR, LS, vous avez le contact sec du thermostat. Si vous voulez bien vous brancher ici, si vous voulez réussir à mettre l'alimentation de votre thermostat avec celui de la chaudière, n'hésitez pas à ouvrir les deux vis en grand. Et ici, vous avez à l'origine une espèce de chinte comme celui-ci que vous enlevez ou vous venez mettre le contact sec au niveau du thermostat d'ambiance. Voilà tout.